Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbeounouvlavonou, précédé du maire de Porte-Novo Emmanuel Zoussou à la place Vaudou-Wanto de Sokomé dans le premier arrondissement de la municipalité. Les organisateurs du FIP, le Festival international de Porte-Novo, à la faveur duquel le Gohun Accord est joué, une musique traditionnelle dédiée à la gloire et à l'union des collectivités royales, des descendants du fondateur de Porte-Novo, Théa Gbanli. Les organisateurs du FIP donc ont invité spécialement la deuxième personnalité du pays à venir suivre une merveille de la musique traditionnelle authentiquement gon. À Porte-Novo, les différents quartiers sont entre eux dans des relations d'accord, qui veut dire alliance, ou d'accord, qui est la rivalité. Cette configuration donne lieu périodiquement à des rituels particuliers à l'une ou l'autre des situations. Ces rituels attirent de grandes foules, comme en témoigne la photo qui est à l'entrée de 1952. Contrairement à certains écrits d'explorateurs de la période coloniale, les rituels du Gohun Accord, ou sa seconde version, le Gohun Akté, créent aujourd'hui une ambiance de saine émulation et renforcent les liens de fraternité, d'où cette célèbre boutade en langue yoruba propre au Gohun. La compétition, mais pas la guerre. Le Gohun, loin d'être un outil de division, crée plutôt une ambiance de saine émulation. Il permet à chacun, à chacun, de mieux se comporter dans la société, de peur d'être critiqué par le groupe adverse à travers de subtiles dénonciations dans les chansons. De rechercher des meilleures protections contre les attaques de tout genre. De rechercher des recettes pour avoir une bonne mémoire. Le Gohun, en un mot, favorise le vivre ensemble. Le natif de Porte-Novo, trempé dans la jeunesse du Gohun Accord ou du Gohun Akté, en tire une fierté. Gohun, c'est une histoire, c'est un événement, c'est notre identité à Porte-Novo. Porte-Novo n'était pas grand. Porte-Novo avait 26 quartiers. Et ces quartiers se sont divisés en alliances et en rivalité, c'est-à-dire deux camps. Et ces deux camps se retrouvaient, se donnaient le temps, se donnaient la date, et ils se retrouvaient sur une même place en face, où les alliances chantaient avec toutes les forces occultes qu'on avait, chantaient contre la rivalité. Le Gohun, qu'il soit Accord ou Akté, reste tout simplement une spécificité de Porte-Novo que ses férus travaillent à moderniser.